le groupe Angelotti, partenaire de tous les rugby, vous souhaite un bon match. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby. Nous sommes aujourd'hui en direct du stade Jules Crocherie de Sigean où nous allons vous proposer cette affiche de Fédéral 3 Poule 8, la journée 15 qui va opposer donc l'Union Sigean Port-la-Nouvelle au leader Avignon Le Pontet. Aujourd'hui avec moi c'est Walter. Walter pour commenter avec moi. Allez, salut à tous. Salut Walter, une rencontre avec un fort enjeu pour ces deux équipes. Ouais, ouais. Le leader qui veut rester invaincu et rester leader. Et si j'en parle la nouvelle, en s'inclinant, en s'imposant, pardon. Et qu'il faut le souligner, est invaincu à domicile, hein, donc ouais. Qui a réussi à faire tomber le deuxième et le troisième. Et je pense qu'ils espèrent bien faire tomber le leader à domicile. Allez, on va commencer de suite. Je vais faire la compo d'Avignon, Le Pontet, un peu en retard. Avec un numéro 1, c'est Fort, Talonneur, Pierre Gras. Numéro 3, Bive. Numéro 4, Combe. Numéro 5, Lifra. Numéro 6, Reggiani. Numéro 7, Villette. Numéro 8, Perret. Numéro 9, Ludovic Radoslas Rado. On va dire Rado, hein. Numéro 10, Roge. Numéro 11, Capot. Numéro 12, Labi. Numéro 13, Ranconi. Numéro 14, Batby, pardon. Numéro 15, Colombier, les remplaçants Rado, Baudry, Le Hain, Conti, Garcia, Farel et Chouchan, entraînés par Ludo Zanini et Mabilon. Allez, la compo pour l'équipe de Sigean. Sigean pour la nouvelle, donc en numéro 1, Mathieu Suquet, numéro 2, Da Silva Brice, numéro 3, Yann Carrier, numéro 4, Ako Pierre, numéro 5, Loïc Lucien, numéro 6, Escarguel Romain, numéro 7, Monier Gaël, numéro 8, Escarmont de Pierre, numéro 9, Cana Clément, numéro 10, Bertuel Benjamin, numéro 11, Segovia Johanna, numéro 12, Martinez Paul, numéro 13, Lazarenzo, numéro 14, Justal Victor, 15, Yannick Lepense, 16, Grimal, 17, Poussine, 18, Gapo, 19, Rénal, 20, Pradal, 21, Iniesta et 22, Victor. Les entraîneurs Favre et Ferrero. Cette rencontre sera arbitrée par mademoiselle Camille Caille. Je n'ai pas noté le nom des assesseurs, mais on va les trouver assez rapidement parce qu'on a Frédéric Chazal à côté de nous qui va nous donner les infos. On espère que tout va bien se passer. On est bien installé. Il fait un temps superbe ici. Il fait même chaud. Un petit peu de vent et le coup d'envoi est donné par Rado. Ouais, une bonne réception du talonneur de Sigean pour la nouvelle. Voilà, un bon rock. On fait repartir les gros. Yann Carrier en pointe. Voilà, belle percussion. Ouais, on a décidé de garder le ballon. Hein, côté Sigean pour la nouvelle dès ce début de match. Voilà, on décale derrière pour les trois quarts dans le dos. Ouais, Bertuel, bonne percée. Ah. Ouais, on met les cannes. Ouais, les Sigeanos. Ouais, Loïc Lucien. Ouais, ça va, c'est bien. On retrouve le demi-demi. Ah, ben, très belle action. Ça va jusqu'à l'aile, il y a du soutien encore. Ah, magnifique. Magnifique essai du numéro 9, Cana. Magnifique action, magnifique relance. Ah, ouais, superbe. Superbe action de cette équipe de Sigean pour la nouvelle qui aura décidé de frapper fort dès le début du match. Donc avec des passes après contact, super intéressant. Et c'est simple, on est à la première minute de jeu et ouais. Les joueurs, les leaders n'ont pas touché le ballon encore, hein, à part pour le coup d'envoi. Donc ça a été vraiment une superbe action qui a été initiée ouais, par cette petite percussion là, d'entrée de Yann Carrier. Ça a bien rebondi avec Cana, Bertuel, la belle percée. Et Loïc Lucien hein, qui fait parler ses capacités physiques aussi de deuxième ligne, qui court aussi vite qu'un ailier. Donc voilà, vraiment intéressant ce début de match de l'équipe de Sigean pour la nouvelle. Et mademoiselle Caille qui a assisté par monsieur Hussein et le deuxième, j'ai pas bien vu. Lalanne, voilà. Pas Francis, hein. Allez, attention, la transformation à venir.
pour le buteur de Sijan. Sijan pour la nouvelle. Donc Bertuel. Tout à fait. Un peu difficile hein, avec le vent en face. Nous, il nous fait du bien. Non, elle passera pas. Non, là, voilà, transformation qui ne passera pas. Nous, il nous fait du bien, ce petit vent. Ouais. Mais belle entame de cette équipe de Sijan pour la nouvelle. Voilà, qui d'entrée, sans coup férir, voilà, a marqué un superbe essai. Allez, on part sur un renvoi de Rado, côté Avignon-le-Ponté. Ah, directement en touche. Ah, on sent de la fébrilité. On sent de la fébrilité. Le leader qui a peut-être pas l'habitude d'être secoué comme ça dès le coup d'envoi. Ah, je pense que dès qu'on prend un essai comme ça, dès le début du match, forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, je pense quand même qu'on peut faire confiance à cette équipe pour réagir quand même. Ils ne sont pas leaders par hasard. Avec des joueurs d'expérience, on le sait. Hein. Avec Rado à la mêlée, voilà, c'est quand même un autre niveau. Donc mêlée, introduction à venir pour Cana. Allez, on va voir ce que va choisir cette équipe de Sijan. Ouais, voilà, le ballon est dans les pieds du numéro 8 Esclermont de qui décale. Cana. Voilà, Cana qui prend l'intervalle. Oui, oui. Oh, c'est magnifique. Oh, dommage. 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 Ah, il a mis le pied en touche. C'est dommage, mais ils ont du feu dans les jambes. Ouais. Ah, c'est dommage que. Que Yannick Lepas n'ait pas réussi à sortir à hauteur là, ça aurait été un essai à coup sûr. Mais on le voit qu'il y a de belles intentions hein, dès le début de match de cette équipe de Sijan pour la nouvelle. Je pense qu'on est parti pour se régaler cet après-midi. Allez, premier lancé à venir pour Avignon-le-Ponté. Son talonneur Pierre Gras. Oh, là, c'est complètement raté. Un ballon qui doit certainement. Ouais, qui écarte, on va chercher directement. Directement Segovia sur son aile. Ouais, Segovia, un peu secoué, ouais. Mais Bertuel au soutien. Voilà, cette équipe de Sijan qui compte. Oh, oh ben. Là, il est passé là-bas. Oh, Bertuel, auteur d'un début de match tonitruant. Allez, voilà. Cana, qui écarte. On va dire la charnière. Hein. Segovia, ouais, la charnière, oui, c'est clair. Ouais, Loïc Lucien aussi, auteur d'un bon début de match. Ouais, une belle percée sur l'essai. Allez, on retourne dans le fermé, ouais, intéressant. Ouais, attention là-bas. Ouais. Da Silva. Talonneur Da Silva. Ah, on attend de voir dans ces 22 mètres. Avec le vent dans le dos. C'est en train d'essayer de mieux régler les couleurs de la caméra, ça n'y voit rien du tout. Là, ça devrait être un peu mieux. Hop, un peu trop. Allez, mêlée à venir, donc Rado à l'introduction. Logiquement, cette équipe d'Avignon-le-Ponté devrait utiliser le vent et occuper le terrain de Sijan pour la nouvelle. Voilà, on le voit, le pack dense de cette équipe d'Avignon-le-Ponté. Hein. Allez, Rado. Voilà. C'est le numéro 10 qui a trouvé. Ah, le ballon est sorti, une très très belle touche. Belle sortie de camp hein, de la part du numéro 10 Roche d'Avignon-le-Ponté. Avec une touche ouais, quasiment aux 40 mètres de Sijan pour la nouvelle. Allez, avec un lancer à venir pour Da Silva. Ouais, belle. Pris. Ouais, il ballon, s'échappe voilà, à plus. Super ça. Il retrouve Pierre Racco. Allez, Cana qui écarte. Ouais, Esclermont qui vient faire péter sa puissance. Ouais, voilà, Bertuel dans le fermé. Oh, Bertuel, auteur d'un super début de match, hein, vraiment. Avec Escarguel. Ouais, Cana. Ah, le ballon est conservé toujours. Hein. Voilà. Ah, attention au passage à vide. Non, ça va, l'arbitre ne le siffle pas. Allez, on repart avec les gros Escarmont de nouveau. Hein. La puissance, voilà, on remet intérieur. Ah, bonne défense d'Avignon-le-Ponté, mais on est sur un avantage pour Sijan pour la nouvelle. Ouais, c'est Govia qui fait péter les Cana. Cana, Carrier. Ouais, il y a un Carrier, mais voilà. L'arbitre qui revient logiquement à la pénalité. On a retrouvé.
retrouve le micro de l'arbitre. Ouais. Ah, qui va voir son arbitre de touche. Alors, on va voir si on entend bien. C'est un peu loin là. Voilà, peut-être que Bubu, tu auras les infos en direct. Hein. Ouais, c'est un peu loin. Voilà, donc je... Oui, je pense que l'arbitre de touche a confirmé la décision initiale de l'arbitre. Hein. Et Berthuel contre le vent qui va en touche. Alors, de ce côté-là, contre le vent, et là-bas, il a l'air dans le bon sens. Ouais, le vent est toujours un peu tourbillonnant ici, hein, donc... Allez, lancé à venir pour Da Silva. Pour l'instant, la conquête est bonne du côté si Jean-Paul Anouvala a contesté un bon contest côté Avignon-le-Ponté qui retombe dans les bras de Esclermonde. Allez, est-ce que ce ballon sort côté Sijan, il y aura certainement une occasion d'essayer. Ah, ils sont tous devant. Ah, il est allé. Ah, je pense que va dire l'arbitre. En avant, dommage. Mais bon, cette équipe de Sijan qui domine vraiment ce début de rencontre. Voilà, quand on voit le début des matchs de cette équipe de Sijan, on n'a pas de mal à comprendre comment ils ont fait tomber le deuxième et le troisième à domicile hein, et pourquoi ils sont invaincus de ne pas envoyer du jeu. Oui, voilà, ouais, non. Logique, une pénalité contre Sijan pour la nouvelle. Perdez les appuis. C'est Yann Carrier qui est pénalisé. Ouais. Peut-être un peu subi. Hein. C'est peut-être le seul secteur où ils subissent un tout petit peu. Ouais, sur les deux en ce début mêlée. De match, ouais. Allez, donc touche à venir pour Avignon-le-Ponté. Voilà, qui pour l'instant n'a pas eu beaucoup le ballon hein, depuis le début du match. Hein. Non. Allez, le talonneur Pierre Gras. Ouais, belle prise à deux mains. Alors, on va s'organiser. Côté Avignon-le-Ponté, voilà, un bon groupé pénétrant qui progresse, un mol. Ah, on s'extrait du mol, numéro 8. Ouais, c'est Perret. Perret, ouais, on écarte de suite à Radeau. Et sur ce joueur-là, ouais. Rabi. Ouais, Rabi solide. Ouais, le ballon est bien sorti. Labi, pardon. Radeau, qui écarte, ouais, son numéro 4. Combe ouais. Et capitaine. Ou passe peut-être au cordeau. Au cordeau, mais elle est jugée valide. À la limite. Ça avance. Le ballon est conservé. Peut-être contesté. Que va dire l'arbitre? Hein, non. Ah. Voilà un bon contest côté Sijan pour la nouvelle. Ouais, c'est Govia qui fait péter les crochets. Voilà, bien libéré. Bonne protection. Attention quand même. Voilà, on repart dans le fermé. On se rassure. Avec Escarguel. Voilà, qui conserve. Ah, attention, peut-être non, ça va. Le ballon est conservé toujours. Mathieu Suquet, Loïc Lucien, solide. Ouais, très. Ce joueur très très solide, voilà, qui très avance. Physique. Magnifique, beau joueur de ballon. Hein, ouais, Mathieu Suquet qui donne, ouais. Mathieu Suquet qui donne sur le pas. Pour Da Silva. Cana. Ouais, Cana, on joue là. Sa deuxième édition. Ah, il y a peut-être un petit en avant, non ? Ouais, non, l'arbitre qui reviendra. Sur une position de hors-jeu de l'équipe d'Avignon-le-Ponté. Joué vite par Cana. Il a des cannes, il est vraiment en feu aujourd'hui. Il n'est pas tenu, on écarte. Oh, dommage. Peut-être qu'à l'extérieur, il y avait des solutions. Il faudrait vite sortir ce ballon, allez. Ah, dommage. Un bon contest, un bon contest côté Avignon-le-Ponté. Dorado qui est arrivé, voilà, le soutien un peu en retard côté Sijan pour la nouvelle. Voilà, Erado a fait parler toute son expérience. C'est dommage hein, qu'on n'ait pas écarté le ballon là. C'est dommage. Je pense qu'il y avait une solution avec le Pince. Avec le Pince sur son aile et Justal. Ça aurait pu être une belle occasion d'essai. Allez, une touche trouvée voilà, au niveau des 40 mètres de l'équipe de Sijan pour la nouvelle. Avec un lance à venir pour Pierre Grand. Là.
On voit les numéros 18 qui est rentré côté Sigean pour la nouvelle. Ouais. Ah. Alors attends, ça ne doit pas être le numéro 18 que j'ai sur la feuille. Alors voilà, lancé pas droit. Lancé pas droit, on attend la décision. Certainement une mêlée. Mais je crois que c'est Pierre Racco, le 4, qui joue avec le numéro 18. D'accord. J'ai l'impression. Là. On va couper le micro de l'arbitre, j'ai un écho et je pense que c'est pas très crédible. Ouais. Ouais. Je m'en occuperai à la mi-temps. Allez, lance à venir pour Cana. Gros début de match de ce numéro 9. Hein. Et de la charnière même, en général, c'est clairement un départ. Attention à la charge, ouais, voilà, on en progresse. Attention à ne pas rouler quand même. Il a bien libéré. Ouais, ça va le. Ouais, on part le côté Avignon le Ponté. 10 mètres de plus. Se laisse pas faire. Ouais, le numéro 4, voilà, nous a fait une petite taquidante, mais bon, on gagne 20 mètres. Lancé surtout pour Da Silva. Voilà. Allez, touche à 5 côté Sigean pour la nouvelle. Pierre Racco. Ah non, le lancé. Bien contré. Bien contré, ouais, par cette équipe d'Avignon Le Ponté. Ouais, on défend bien. Allez, Rado qui écarte certainement un jeu au pied à venir. Ah, un coup de pied décroisé là. Yannick Allez, Lepens. Yannick Lepens sous la pression, mais on connaît les capacités physiques de ce joueur. Voilà, ouais, qui conserve le ballon. Attention là, le ballon, le joueur est allé certainement. Ouais, ça va. On arrive au cordeau. Ouais, super sortie, ça va. Oh, bien joué. Joli. Allez, il ne faut pas perdre le ballon, il faut que le ballon sorte. Cana. Si le ballon sort. Virtuel, Lazaro. Segovia, ouais, bien le crochet. Ah, super, il super ça, Segovia, il ne faut pas perdre le ballon. Allez, Bertuel qui garde et qui conserve. Oh, dommage, s'il avait pu le lever. Attention au contest, ouais, côté Avignon Le Ponté. Et oui, on talonne à la main. C'est une pénalité logique à venir. Qui a été pris par la patrouille. Voilà, pénalité logique. Et encore une belle action de cette équipe de Sigean pour la nouvelle. Ils nous font un début de rencontre trop nitru. Hein. Ouais, parce qu'on voit quand même que le leader est vraiment au point de rupture sur beaucoup d'actions. Ouais, une touche, voilà, logique, hein, contre le vent. Allez, à lancer à venir pour Da Silva. Ça serait bien quand même de confirmer quand même, de marquer cette domination. Un peu pénétrant. Ah ouais, voilà, et Sigean qui... Ah ouais, qui prend un peu cette équipe d'Avignon Le Ponté sur ses points forts. C'est le ballon. Ah, le ballon. Ils sont devant Loïc Lucien. En force peut-être ? Non. Ah, Loïc Lucien. Ah, c'est bien défendu. Hein. Ouais, mais bon. Le ballon est quand même conservé. Ah non. Non, le ballon est improductif. Bonne défense. Bonne défense, ouais. Côté Avignon Le Ponté, c'est dommage. Hein. C'est... Paquet d'avant. Si Jeanne au Nouvellois fait super début de rencontre. Ouais, non, mais vraiment. Cana aussi, demi mêlée. Non, la charnière, hein. Je pense que là, la charnière aujourd'hui est partie sur, sur des gammes très élevées. Hein. Parce qu'à eux deux, je pense qu'ils impulsent complètement cette dynamique à cette équipe de Sigean pour la nouvelle. Allez, Rado. Certainement pas. Jouer au pied. Non, côté, oui, voilà. On sort le ballon. Ouais, une petite touche à trouver. Alors que va-t-on faire? Ouais, je pense qu'encore une touche à 5 hein, côté Sigean pour la nouvelle. Allez, Brice, allez. Ouais, une petite combinaison. Da Silva avec son numéro 5. Juste devant les 5. Ouais. Allez, 9 Cana, ouais. Romain Escarguel en pivot pour Esclermont de Caval. C'est solide. Voilà. Le gars du Toche.
Ah, il y a un avantage en cours, on écarte, Berthuel. Ah, Berthuel qui la prend, ouais, bien, bien, superbe arrivée ça encore. Hein. Ouais, c'est Lazzaro le numéro 13. Ah, ouais. On le voit. Le ballon qui vit toujours. Oh, belle percussion. Pierre-Aco, il met les cannes, il donne à Lepens sur attention. Son aile. Oh, gros, gros plaquage, mis à service son ailier. Segovia, oh, bravo. Essai de Segovia. Magnifique, magnifique action. Oh, Lepens qui s'est sacrifié sur cette action. Ah, mais là, c'est une leçon de rugby, hein, cette action. C'était bon, magnifique. Vraiment magnifique. Là, moi je sais pas vous, mais moi je me régale cet aussi après-midi et je suis content de commenter ce match. Aussi bien les avant que les trois quarts, là, l'équipe de Cigan-Port-la-Nouvelle fait un début de match fantastique. Hein. Ouais, c'est monstrueux même. Et Segovia qui a inscrit un super essai en débordement sur son aile. Ouais. Il a bien profité du débordement, tu l'as dit, de Yannick Lepens. Ouais, ouais, ouais. Non, Yannick Lepens qui fixe bien. Et qui se sacrifie parce que je pense qu'il a pris un gros tampon. Et Joan Segovia, c'est l'apport des posters dans sa chambre. Hein, qui... Il avait les posters de certains joueurs dans sa chambre, ça l'a donné des ailes, je crois. C'est ça. Un très très bon joueur, on le connaît. Ici dans l'Aude, c'est un très très bon joueur. Passé par La Palme. Des appuis de feu, ouais, exactement. Ouais. Ouais, qui a vécu des saisons fantastiques à La Palme. Et la transformation qui va passer devant les poteaux. C'est dommage. Contre le vent. On reste à 10-0. 10-0, 2 essais à 0. Voilà, je pense que le début de match est vraiment réussi, hein, côté Cigan pour la nouvelle. Ouais. Allez, là, renvoi à venir pour Rado. J'arrive vraiment pas à régler la luminosité comme je veux. Et c'est vrai que nous avons le soleil dans les yeux, Bubu. Complexe. Complètement, ouais, bon. Voilà, c'est toujours important hein, quand on marque voilà, les réceptions. Ouais, on repart au ras. Intéressant. Avec Mounier. Allez, là, on fait péter Louis Lucien. Toujours, toujours solide. Des capacités physiques au-dessus de la moyenne. Allez, Cana, ouais, qui repart avec son talonneur. Da Silva. Ouais, une bonne protection. Une bonne cellule. Allez, je pense qu'on va repartir avec les gros Romain Escarguel, ouais. Voilà, on conserve. Berthuel peut-être qui va se mettre en position pour dégager. Ouais, Cana, donc de nouveau Escarmonde, ouais, qui prend l'intervalle. Il avance, c'est un joueur solide, hein, toujours. Toujours, il prend la ligne d'avantage, hein, intéressant. Ah, non, il n'y a pas en avant, on peut jouer. Attention. Ah, par contre, le ballon est récupéré, ouais. Côté Avignon-le-Ponté, attention, il faut défendre, voilà, faire tomber. Ouais. C'est Labi qui s'est bien saisi du ballon. Ouais. Ouais, mais ça défend sévère côté Cigan-Port-la-Nouvelle, c'est bien. C'est Berthuel qui a bien plaqué. Allez, le ballon est conservé, Rado. On va certainement faire repartir les gros. Alors que. Voilà, mais encore une. Ah non, on a raté le plaquage. Attention, ça avance côté Avignon. Allez, on écarte. Non, mauvaise transmission de Rado. Il y a un avantage en cours. Et la passe est bonne, parce qu'il n'y a pas de. Ouais, certainement une position de hors-jeu. De côté, attention à cette équipe d'Avignon-le-Ponté. Ouais, très bonne défense, heureusement. Ouais, c'est Justal qui est venu de son aile. Mais attention, Justal. Là, ça va faire mouche. Là. Attention, ouais, l'essai et l'essai. Le plaquage en plus. Ouais, un essai du numéro 10. Voilà, attention. Attention, plaquage peut-être un peu haut de l'arrière, Yannick Lepens. Ah, je crois que c'est Suquet qui est arrivé en travers. Ou Suquet. Et il y a Loïc Lucien qui va sortir, je crois, il est blessé, boîte bas. Ah, ça serait dommage hein, pour cette équipe de Cigan pour la nouvelle, parce que c'est un joueur qui impulse quand même depuis le début de ce match. Ah, Mathieu Suquet, oui, effectivement. Oui, donc un carton jaune logique hein, pour un plaquage au haut. Bon, je le connais, il a un peu mal au dos, il a du mal à se baisser, Mathieu Suquet. On le connaît. On m'a demandé de tes nouvelles après ta soirée d'hier soir et la victoire oui. de Canedo de tout à l'heure. J'avais pas compris. C'est ça. Non, il y en a certains, je leur ai payé des Perrier hein, et pas des bières. Je tiens à le dire à Cigan pour la nouvelle. Allez, avec cet essai donc du numéro 10, il me semble, côté oui, c'est le Ponté, c'est Roche. Ouais, Roche et transformation à venir de Colombier. On va voir avec le vent dans le dos. Ah, c'est le corde. Ouais, qui passera en haut des poteaux. Donc 10 à 7, toujours pour Cigan pour la nouvelle. Mais attention, on le voit quand même, cette équipe de Avignon-le-Ponté qui n'est pas leader, hein, qui vient une fois
une fois dans le camp de Sigean pour la Nouvelle et qui score. Qui n'est pas leader pour rien. Voilà, je pense qu'on voit qu'il y a quand même de l'expérience de côté Avignon. Hein. Ouais, sans s'affoler. Sans s'affoler, parce que depuis le début de la partie, ils n'ont pas le ballon. Voilà, ils viennent une fois, ils marquent. Hein. Mais ça n'enlève à rien le super début de match de cette équipe de Sigean pour la Nouvelle. Allez, renvoi à venir, Berthuel. Ouais, très bon renvoi. Très bien tapé. On peut aller au contest. Ah, dommage. Dommage. On aurait pu le récupérer, mais avec le soleil, c'est pas évident. S'il gêne la caméra, il gêne les joueurs aussi, le ouais. soleil. Bon, attention, le fermé qui peut être. Ah non, mais le numéro 10, ouais, une passe. Bien plaqué là-bas. Une passe de maçon, comme on dit. Ouais, il y a un peu de tout voilà, là. Ouais, voilà. L'habit, bien plaqué. Défense aux chevilles. Ancien joueur de Toulon. Ouais, Radeau par-dessus. Là, Radeau, bon coup de pied. Allez, Esclarmonde de bien replacé. Hein. Attention, parce que là, s'il se lance, ouais, lui, ça va être dur de l'arrêter. C'est très, très, très bon joueur. Hein. Ah, voilà, le sanglier joueur du Toche. Voilà. Yann Carrier. Ouais, Yann Carrier aussi. Belle percussion, ça avance. Hein. Allez, Cana, on repart de nouveau avec les gros. Ouais, intéressant. Ah, ça avance toujours encore 2-3 mètres, le ballon est conservé. Allez, Canan va certainement revenir dans le fermé avec Esclarmonde. Ah, ouais, bien joué, ça, le même main. Ça joue, hein. Wow, non, là, il y a beaucoup d'intensité sur ce match. Hein. Allez, Canan, ouais, qui. Voilà. Escarguet dans le dos, Berthuel. Oh, des appuis dévastateurs. Hein. Allez, il faut absolument conserver le ballon. Est-ce qu'il est contesté? Non, le ballon est toujours conservé. Attention, il est sorti. Ouais, voilà, il faut le garder, Romain. Ouais, bien joué, ça. Ça on va, repart ça si on peut lever. Oh, ouais. Dommage. Petit en avance, c'est dommage. Parce qu'ils ne baissent pas le pied. Hein, les joueurs de Sigean pour la Nouvelle, ils ont décidé de jouer, de tout jouer. Ouais, on le voit souvent. Ils sont vraiment pas loin. Hein. C'est une équipe jeune, 23-24 ans de moyen âge. Ils ont quand même quelques joueurs blessés aujourd'hui. Oui, c'est clair. Ouais. Non, mais je pense que si on leur avait dit ça en début de saison, ils auraient signé de suite. Ils sont vraiment auteurs. C'est un promu, il ne faut pas l'oublier. Auteur d'une super saison, parce que maintenant on n'en est plus au début. On est quasiment à la fin. Ils sont en position de qualifiable en ayant battu tout le monde de chez eux. Voilà, je pense que c'est une saison réussie du côté Sigean pour la Nouvelle qui verra certainement des phases finales. En Fédéral 3 pour un promu avec des jeunes, comme tu dis, Bubu, c'est vraiment intéressant. Et Avignon-le-Ponté, promu également, hein, qui avait été battu l'an dernier par 7 en phase finale championnat de France. Ouais. Et qui réalise une super saison, même s'ils ont. Ah, je pense qu'il doit y avoir un peu plus de moyens aussi côté Avignon-le-Ponté. Voilà. Ils ont nettement plus de budget, ils sont invaincus, ils ont fait juste un match nul à la maison contre Vendre-l'Espignan. C'est ça. Non, puis on le voit, il y a quand même aussi quelques anciens joueurs professionnels. Comme quoi, l'envie, la jeunesse aussi, ça a beaucoup d'atouts. L'entrée de Reynal en deuxième ligne. Ouais. À la place de Lucien. Et ouais, malheureusement, ouais, Lucien qui s'est blessé. Allez, Radeau, on écarte le 10, ouais, qui va certainement sortir du camp. Gros utiliser coup le de vent. Pied. Ouais, voilà, bonne réception de Segovia. Attention, qui va faire parler. Ouais, qui fait parler. Il est passé les au milieu. Il a le soutien. Allez, attention, on va le fermer. Il est intéressant. Berthuel, on fait jouer au large. Ouais, c'est Reynal qui avance. Ouais, Reynal depuis son entrée, pareil, hein, qui gagne les mètres pour son équipe. Ouais, Esclarmonde toujours solide. Le numéro 17 aussi qui est rentré côté Sigean pour la Nouvelle. Ah, coup de pied super intelligent de Berthuel. Ah oui, voilà, qui va mettre en danger cette équipe d'Avignon-le-Ponté. Voilà, qui avait lu, hein, qui avait un espace libre derrière.
On est attention, attention, si les joueurs écartent, il y a danger. Il y a danger. Attention, ah, attention, oui. Attention, s'il a des cannes. S'il a des cannes, ouais, mais. Voilà, bonne bien défense. Repris, bien repris. Allez, bonne défense côté Sijan. Parce que ça joue encore. Labi ouais, qui redouble. En numéro 10, ouais, non, super défense encore. Hein. Sur le capitaine Combe. Allez, Labi. Labi, il a sauté. Oh, la belle sautée, longue. Et si on les liait là. Ah, c'est bien joué, Rado. Il a réussi à passer les bras. On passe, attention, c'est une occasion d'essai. Ah, ah oui, joli, le numéro 8. La fête. Fête de passe. Et l'essai. Et l'essai à venir, ouais. C'est Perret. Numéro 8. C'est essai, le numéro 8. Et on le disait tout à l'heure, sans s'affoler. Voilà, ah ouais. Une contre-attaque. Et un deuxième essai pour Avignon-le-Ponté. Et ouais. Qui profite aussi, il faut le dire, de la supériorité numérique. Bien sûr. On le sait, le problème, la discipline hein, contre ces équipes-là, si on veut les battre, la discipline, c'est ultra important. On ne peut pas jouer contre ces grosses cylindrées, jouer à 14, généralement, ça se paye cash. Et c'est ce qui vient de se passer, hein, parce qu'on est parti quand même du camp d'Avignon-le-Ponté. On est parti dans leur 5 mètres. Voilà, pour finir avec un essai du numéro 8, Perret. Ah, c'est dommage pour cette équipe de Sijan pour la nouvelle. Hein. C'est de prendre deux essais comme ça, coup sur coup. Quand on sait les occasions qu'ils ont eues en début de match. Hein. Mais bon, rappelons-le, cette équipe de Sijan qui aura le vent en deuxième mi-temps. Donc, on pourra occuper et jouer vraiment dans le camp de Avignon-le-Ponté. Ce qui est surtout dommage, c'est au vu de leur prestation de ne pas avoir marqué un peu plus de points. Eh oui, je pense que ça aurait mérité au moins un ou deux essais de plus. Ouais, non, transformation bien réalisée par le numéro 15 colombien côté Avignon-le-Ponté. Ouais, moi j'aurais dit juste les transformations, mais bon. Oui, pardon. C'est vrai que toi t'es au dos. Eh bon. C'est ça. Donc 14 à 10 pour cette équipe d'Avignon-le-Ponté. Le coup de pied de renvoi, on est déjà à la demi-heure de jeu, Walter, ouais. Ça passe vite, hein, ouais. Quand on se régale. Mais on voit un beaucoup d'insouciance et beaucoup de jeux à côté Sijan et puis et c'est une équipe d'Avignon-le-Ponté pragmatique. Ouais, maîtrise. Maîtrise, qui vient deux fois et qui marque deux essais. Ouais, Bertuel qui va chercher loin contre le vent, bien capté par le numéro 7, mais une bonne défense. C'est Victor Justel. Le contest, non, il est tombé. Le numéro 17, Poussine. Ouais, c'est un ancien joueur top 14 aussi, Beignat Arrête. Ah, le pass attaque. Ah là là, danger. Dommage, Yannick Le Pince. Ah, il a raté là. Avec le soleil qui fait en avant. Monsieur l'arbitre de touche qui signale quelque chose à Mademoiselle Kai. C'est bien que son micro marche à ce moment-là. Ouais. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Ah, donc une pénalité à venir. Donc on a vu certainement. Simple pénalité en avant volontaire. Oui, l'en avant volontaire. Oui, bon. C'est vrai. Je te disais, Walter, t'as. Ah, ça sort pas. Ah, joli. Ah. Un petit péché d'orgueil. C'est le joueur de l'ASM. Il y a son coéquipier. Regarde-le avec le numéro 17. Je trouve pas qu'il ressemble au talonneur clermontois, Dorian Poussine. Si, c'est vrai, oui. Oui, au basque. Voilà. Oui, tout à fait. Tu sauras mieux le dire que moi, Berretier Garay, je sais pas quoi. Oui, c'est vrai. Le petit gars de Perriac, moi, qui ressemble au basque de Clermont. Je lui avais dit que je le dirais tout à l'heure. Alors qu'il y a le retour de Thomas Suquet. Eh ben voilà, justement, qui ressort Beignat. Voilà, Romain Escargue qui était sorti ouais, pour pallier la place de Mathieu Suquet et la rentrée de Poussine. On est de nouveau donc à 15 contre 15. Toujours là. Première. Seconde. Allez, mêlée à venir, ouais.
Introduction Cana. Pour 6 ans pour la nouvelle. Une grosse poussée. Avantage, en avant. Ouais. Voilà, mais l'arbitre, voilà. Qui sanctionne logiquement. Allez, Cana qui joue vite. Ah, il avait Cana, il est solide. Très solide. Très solide. Impressionnant, j'ai envie de te dire. Ouais, vraiment. Ouais, Mathieu Suquet, il faut pas perdre. On subit, mais il faut pas perdre. Allez, voilà, libère ton ballon. Le plaqueur, il faudrait qu'il enlève le bras, ça serait bien. Allez, Cana, ouais, on repart avec ses avants. Ballon là, Da Silva. Cana de nouveau. Ouais, Mounier, allez, il faut le conserver, ne le perds pas, attention au contest. Voilà, bien, Scarmonde. Allez, là, on recule un peu, côté si j'arrive, il va falloir remettre la marche avant. Voilà, Yann Carrier, une bonne. Ah, attention, le contest qui est bon, hein, côté Avignon-le-Ponté. Je pense que ça va être, oui, logiquement sanctionné. Logiquement sanctionné. Ah, le soutien un peu en retard contre ces équipes-là, ça pardonne pas. Ah, c'est Pierre Acco, numéro 18. Oui, voilà, évidemment, avec le vent, une équipe d'Avignon-le-Ponté qui tentera cette pénalité. De la mi-temps, l'occasion pour Colombier de donner un essai d'avance, un essai transformé d'avance. Eh oui. Et c'est vrai que c'est un peu cher payé quand même pour les locaux. Bah, au vu de la première, c'est vraiment dommage pour cette équipe de Sijan pour la nouvelle d'être. Et on l'a dit en début, d'être mené. Pas louper toutes ces actions là. Ouais. Parce qu'après le leader n'est pas leader pour rien. Eh non. Allez. Donc Colombier. Ouais, qui s'applique. Ah, gros coup de ça pied passe. Qui passe 17-10 pour le leader. Bon, un peu contre le cours du jeu, on peut le dire. Mais voilà, une équipe pragmatique en face, hein, puisqu'on est à deux essais partout. Mais 17-10 pour le leader de la poule. Allez, Sijan, il faut s'accrocher, il y a la place aujourd'hui, il y a la place pour faire tomber le leader. Coup de renvoi qui va être donné par Bertuel. Allez, Bertuel. Et ce petit vent, il fait du bien quand même, parce qu'il ouais, fait ouais. Vraiment très très chaud. Voilà. Là, c'est un peu court. Ah, bah, le vent qui ramène le ballon, qui ne fera pas 10 mètres, malheureusement. Faire attention de ne pas trop lever le ballon avec le vent qu'il y a. Partir sur une mêlée au centre du terrain. Elles sont toujours intéressantes celles-là. Ouais. Il y a eu des changements, il me semble que Perret est passé pilier droit. Côté Avignon. Côté. Ouais, donc introduction à venir à les radeaux. Ça résistait bien. Ouais, côté. Allez, on écarte avec son numéro 10 qui attaque la ligne. Passe sautée. Sur le deuxième centre. Au cordeau. Ça galope là-bas. Ouais, une bonne défense. Radeau. Ah, le ballon, on écarte. Ouais, ça, ils sont passés à mode bulldozer, les joueurs. Ouais, là maintenant. Ils ont laissé passer l'orage. Ça serait dommage de prendre un autre essai là avant la mi-temps. Aïe aïe aïe, là je pense Colombier, qu'il va y avoir un essai à coup sûr. Colombier, ouais, ouais. Essai de Colombier. En bout de ligne. Ouais, malheureusement. Il hein. N'y a rien à dire. Avignon-le-Ponté, comme on disait, qui s'est pas affolé, qui a fait le dos rond. Ouais, voilà, qui ont laissé passer l'orage en début de match. Qui a quand même encaissé deux essais, mais qui s'est pas énervé. Ouais, ouais, complètement. Qui, petit à petit, est revenu dans la partie et qui s'échappe maintenant au score. Ouais. 3 Allez. Essais à 2. Ah, il faut surtout pas que si j'en baisse la tête. Il faut y croire. Avec le vent en deuxième mi-temps, tout peut se passer. Ils sont juste devant nous.
Je pense que oui. Le leader est quand même équipé, oui. Allez, le numéro 15 Colombier, voilà, hauteur de cet essai, qui va tenter de transformer en coin. Il est un peu plus compliqué que les deux autres. Hein. Ouais, depuis le début, il est à 100%. Et il devrait le rester. Ouais, ça part bien. Ouais, belle transformation. Et ça passe. Ça passe entre les perches. Sans faute de Colombier. Ah, il y a un petit break de fait là, Bubu. Hein. Un petit break de fait. 24 à 10. Alors qu'il reste 1 minute 30 à jouer. Ouais, c'est la première période. Si on pouvait récupérer le ballon côté Sijan, essayer d'aller marquer avant la mi-temps, ça serait intéressant d'essayer de recoller au score. On change voilà. De côté. Ouais, on renvoie plus loin hein, là, cette fois-ci, côté voilà, bonne défense. On est à l'avancée. Non, mais le ballon est bien conservé. Hein. Côté Avignon-le-Ponté. Rado qui va certainement jouer au pied. Bien voilà, un gros, gros coup de pied. Ouais, super. Attention de se parler au rebond. Oh là là. Ah, danger là, attention. Hein. Attention à ces petits errements. Ça peut coûter cher contre une équipe comme Avignon-le-Ponté. Moindre mal, ce sera une touche avec l'ancien. Voilà, pour on récupère. Voilà, cette équipe de Sijan qui récupère le ballon. Allez, il va falloir tenir le ballon. On approche de la mi-temps, il reste 15 secondes. Ouais, le ballon est capté, difficilement mais capté. Ouais, Renault. Allez, là, le ballon qui tarde un peu à sortir, mais Canard, on repart dans le fermé. Voilà, avec Yann Carrier. À la corne. Escarguel au déblayage, Canard. On va partir, voilà, contre le vent. Hein. On fait l'essuie-glace côté Sijan pour la nouvelle, ce qui est logique. Attention de ne pas trop subir. Bah, une défense, ça cartouche. Attention, ouais. Le ballon qui a giclé. Ouais, cette équipe d'Avignon-le-Ponté qui est solide sur les contests. Ils vont forcément. Le récupérer en plus là, attention. Forcément, et voilà, attention, danger, le numéro 10 qui écarte. Ouh, l'habit. Encore. Numéro 13, ouais. Non, ça saute encore pour l'ailier. Là. Et un nouvel essai. Ouais. C'est numéro 11 cette fois, Capot. Là maintenant, on le voit, là, ça y est. Hein. Je crois que le leader est en train d'envoyer un message à tout le monde. Hein. Malheureusement. Juste avant la mi-temps, le break est fait. Un essai de Capot. Numéro 11, après ce ballon récupéré là-bas sur le contre-rock. Ouais, mais on l'a vu, hein, avec une telle puissance là, il faut vraiment être solide sur les appuis et surtout ne pas avoir de temps de retard hein, sur les protections autour des rucks, sinon c'est des ballons perdus. Hein. Et des ballons perdus qui coûtent cher, on le voit encore. Mais on le voit quand même, c'est très fluide hein, côté Avignon-le-Ponté, la ballon est récupéré, des passes au cordeau bien assurées, ils utilisent la largeur. Ouais, ça joue quand même, c'est intéressant. Ouais. Des belles passes sautées. Voilà, et toujours un 100% pour l'arrière Colombier. Allez, donc qui est derrière le 3 à la poule 8. Ouais. Sijan pour la nouvelle qui a fait un début de rencontre, Tony Truant. Et, ouais. Et qui a été repris petit à petit par le leader, bien grignoté, qui s'est bien affirmé. On a vu ça s'énerver. Oui. On l'a vu. 4 essais. Je pense que là, clairement, même si on pensait... Je pense qu'ils ont fait le dos rond, simplement, en première mi-temps. Ils ont laissé quand même cette équipe de Sijan qui a eu beaucoup, beaucoup de mérite hein, à envoyer du jeu en marquant 2 essais magnifiques. Hein. Voilà, mais qui a laissé, comme tu l'as dit, des points en route hein, et qui maintenant coûte cher. Et une équipe d'Avignon-le-Ponté qui, sans s'affoler petit à petit, dès qu'elle a remis les mains sur le ballon ou dès qu'elle sur les turnovers, voilà, est capable de marquer un essai de 80 mètres. Ça fait mal quand même. Ouais. Allez, on va se retrouver après une petite page de réclame. À toutes.
Allez, on est de retour ici au stade Jules Crocherie de Sigean pour cette rencontre entre l'Union Sigean pour la Nouvelle et Avignon, le Ponté. Ouais. 31-10 pour le leader, avec moi c'est Wally. Ouais. Wally, on a vu une super première mi-temps, mais le score est un peu lourd pour nos amis de... Ouais, ça fait cher payer. On a vu cette équipe d'Avignon le Ponté qui a fait le doron hein, en première mi-temps, et voilà, qui petit à petit, à la moindre occasion, a scoré. Ah non, on le voit bien structuré là, autour de son capitaine, sur le renvoi de Berthuel. On voit quand même cette équipe d'Avignon Le Ponté, c'est en place, on peut dire. Ouais, c'est du sérieux. C'est vraiment du sérieux, ouais. Ouais. Allez, le jeu au pied en plein milieu, Escarmont de voilà, de voler, à faire péter sa puissance. Oh là là là, mais quel... Personne ne va l'arrêter. Oh. Là, ouais, ouais, là je pense que le numéro 10, clairement, n'a pas voulu s'y mettre. Allez, Poussine, voilà, oh une bonne percussion. Baignat. C'est ça. Il y a Gakpo qui est rentré aussi. Allez, Gakpo, c'est dommage, il n'a pas eu le temps de se lancer. On a un petit peu subi. Ah, c'est là où il va falloir être fort côté Sigean pour la Nouvelle. Sur ces ballons, il va falloir être fort et ne pas subir. Voilà, pour s'ils veulent pouvoir inquiéter le leader, il va falloir avoir ces ballons. Justement, voilà, on le voit encore, hein, ils contestent. Hein, très très fort sur les contests. Allez, ouais, Reynal. Allez, le ballon, ah, voilà, on le voit, une équipe là,
C'est le soutien, y a pas le de soutien. Faute, hein. Non, le soutien en retard, poussé axial, il n'y a rien à dire. Hein. Appui infirmé. Ça écarte. Allez, Yannick le pense. Allez, sors-nous la relance du bout du monde. Non, le jeu au pied, voilà, avec le vent. Ouais, mais par contre, dans les bras du numéro 11. Capot. Attention, il a des patins. Bonne défense, hein. Voilà, on repose le joueur, pas de jeu dangereux, bon esprit. Ça continue. Ouais, une bonne défense encore hein, du numéro 12. Martinez. Allez, voilà, Rado qui écarte pour son numéro 10. Rocha. Il est plaqué. On le voit toujours en place. Allez, Roche qui écarte l'habit. Ouais, l'habit passe sur le pas pour son numéro 15. Allez, le ballon est récupéré par Bertrand. Allez, Romain Escargel, il ne faut pas perdre le ballon. Il a subi sur le choc. Attention, Segovia. Ouais, heureusement, Cana, le jeune Cana. Au fourré, au moulin aujourd'hui. Et Walter, on a notre ami superviseur Fred Chazal là, qui nous disait en première mi-temps. Il n'y a eu que 10 pénalités, et 4 contre Sijan et 6 contre Avignon, c'est quand même un match très discipliné, il faut le souligner. Et disputé dans un très bon état d'esprit. Allez, il va falloir défendre là, côté Sijan, essayer de récupérer ce ballon. Allez, on attend un ballon. Allez, le ballon arrive. Alors, c'est le numéro 8 qui lance côté Avignon Le Ponté, Perret. Ouais, ben, ballon bien capté. Voilà, c'est qui Damien Le Poté qui se structure, qui avance. Attention, ça ferait vraiment mal à la tête d'encaisser un essai maintenant. Et oui, non, le joueur qui s'est mis à la faute côté Sijan pour la nouvelle année sur un avantage. Roche qui écarte, ouais, l'habit qui feinte la passe. Attention, ouais. Peut-être le coup d'en avant, non. Toujours, on est toujours sur l'avantage. Ouais, le petit coup de puits assuré. Oh là là. Non, il a lâché le ballon. On va revenir. Non, je crois qu'il y a essayé. Ouais, il y a essayé. Ah, malheureusement, essayé. Il a smatché le ballon. Et ouais, du numéro 11, Capot. Le doublé. Ouais, magnifique passe au pied de son numéro 10, Roche. Et, alors, je sais pas s'il y avait le soleil, si ça a été contré, si j'ai mal vu. Ouais. C'était pas très clair là-bas dans le coin. Alors, je pense que cette équipe d'Avignon Le Ponté qui assomme dès le début de la deuxième mi-temps, hein, cette équipe de Sijan pour la nouvelle. Là, le cochon commence à être dans le maïs. Comme dirait de célèbres commentateurs. Allez, c'est dommage. Hein. Maintenant, il faudrait montrer le visage, ce qu'on a vu en début. Voilà, pendant les 20 premières minutes. Faites-nous plaisir. Colombier. Et ça passe en bas. Donc la première. Premier échec, ouais, pour l'arrière colombier. Allez. Allez, un renvoi virtuel. Allez, c'est maintenant, il faut s'y remettre, voilà, le ballon fera 10 mètres, il faut y aller, ah c'est dommage, il faut y aller absolument sur ces ballons, ils sont bien tapés. Ça avance toujours, le ballon est propre, Rado au pied, voilà, qui va jouer loin,
dans les bras d'Esclarmonde. Bon, il n'y a pas en avant. Voilà, il s'est bien tourné. Non, là, on va faire péter la puissance. Hein. Oh, quel joueur intéressant. Hein. Quel joueur intéressant. Mais je crois que, voilà, le ballon a été encore contesté. Ah, je crois qu'Esclarmonde s'est fait mal. On espère que c'est pas trop grave. Ouais, Rado, ouais, Chistera. Capo. Qui nous vend du rêve, Capo. Ouais, le ballon pour le numéro 8. Ouais. Encore une deuxième Chistera. Ouais, bien joué, magnifique. Ouais, encore un essai. C'est Rado, cette fois, Ludo. Ouais, là, je pense là, clairement. Ouais, en une action, Avignon-le-Ponté a démontré qu'ils sont pas leaders par hasard. Enchaîné 3 au flood. Sur une action. Ouais, et puis il n'y a rien à dire. Hein. Dès qu'ils accélèrent, ils mettent en difficulté cette défense de Sijan. Ah oui, non, mais là. Ouais. C'est. Qui a trop de mal à conserver ses propres ballons. C'est ça. Je pense que cette équipe de Sijan pour la nouvelle, oui. Malheureusement, voilà, un peu de retard et peut-être sur les contre-rucks côté Avignon-le-Ponté. Et systématiquement sur les ballons de récup, on le voit, hein, on s'organise derrière hein, et on vient concrétiser systématiquement ces pertes de ballons. Ah, c'est dommage, je pense que ça va être une partie à travailler quoi, pour les prochains matchs et pour cette fin de saison, pour cette équipe de Sijan pour la nouvelle. Parce que malheureusement, le score commence à être lourd, Bubu. Ouais, c'est pas mérité, hein, vraiment. Au vu de l'investissement de la première période, mais comme on disait tout à l'heure, ils ont laissé quelques occasions en cours de route pendant que de leur côté les joueurs vauclusiens faisaient le dos rond. Et bien sûr. Quand ils se sont réveillés, ça fait toute la différence. C'est ça. Combiné à ce carton jaune qui a coïncidé un peu avec le réveil d'Avignon-le-Ponté, ils sont revenus au score à ce moment-là. C'est ça. C'est sûr qu'il n'y a un aussi gros écart. Et a priori, en plus, malheureusement pour Sijan Esclarmonde qui a dû sortir et laisser sa place. En plus, ce match est hyper important. Sur blessure. Pour Sijan, pour la nouvelle, parce qu'ils ont des points en sursis apparemment suite aux incidents après les matchs du ZES et de 7. Oui, tout à fait. Et Jacou est juste derrière. Et ils sont à la lutte, voilà, exactement, avec Jacou. Ils ont un petit matelas d'avance, mais en sachant qu'aujourd'hui Jacou recevait un moins bien classé Saint-Afrique, que Sijan reçoit le leader et qu'en plus ils ont ces 4 points de suspens au-dessus de la tête. Ouais. C'est ça. Là d'un coup, la semaine prochaine, le déplacement à Jacou va valoir son pesant de cacahuètes. Je sais, pour connaître quelques joueurs de Sijan pour la nouvelle, ils ont forcément coché ce match. Hein. Mais bon, ils espéraient faire douter le leader. Ils l'ont fait pendant 20 minutes. Allez, c'est un ballon. Oh, dommage. Ils ont montré quand même pendant ces 20 premières minutes que voilà ils sont quand même au niveau de cette Fédérale 3, il n'y a pas de souci. Voilà, simplement une équipe plus expérimentée et très très bien organisée sur les contre-rucks hein, puisqu'ils ont récupéré un nombre incalculable de ballons et qui se sont soldés souvent par des essais derrière. Partir sur une mêlée là-bas. Donc on a le numéro 20 qui est rentré à côté 6 ans pour la nouvelle. Certainement pour remplacer Esclarmonde. T'es sûr qu'il est sorti c'est pas oui. Que je vois là non. Si, il est là, regarde. Le numéro 8, il est là. Il est toujours. Juste devant le banc. Je le voyais plus tout à l'heure. En troisième ligne, elle. Ah oui. La place du numéro 6, Escarguel. De Romain Escarguel, ouais. Le petit taureau de Bise. Et qui est un blessé côté Avignon-le-Ponté également. Il me semble que c'est le buteur colombier, l'arrière, qui va sortir aussi. Espérons que ce soit pas trop grave. Bon, je pense que déjà ils sont en marchant. Boîtier, on va dire. Ouais. Je pense que c'est simplement par mesure de précaution, certainement.
Oui, ils n'ont pas besoin de cramer des joueurs. Je pense que là... Le score est fait. Le score est assez conséquent. Allez, ouais, le numéro 9 côté Sijan, Kana, jeune numéro 9, très prometteur. Mêlée qui est stable. Ouais, Yannick Le Pens qui vient prendre, qui vient faire parler sa puissance. Hein, voilà, en premier attaquant. On le sert, allez, on écarte. À coup. Ouais. C'est là, Sijan qu'on a. Voilà, qu'on a baissé un peu pavillon en première mi-temps où on a manqué de. Ah, Berthuel est très intéressant, ballon. Ouais. Mais, hein, il avance encore. Hein. Toujours, toujours, il avance, il fait jouer ses partenaires. Allez, je pense qu'il va falloir peut-être le. Si on avance, on avance. Allez, ah, on se structure. On est toujours sur l'avantage, dit madame l'arbitre. Allez, ouais. Écarté, Cana. Ah, Escarmonde, tu as raison, il est toujours là. Hein. Il avance. Hein. Allez, le ballon sort. Wow. Pression. Ah, on laisse jouer l'avantage. Il a raison, le petit Cana. 19 ans. Allez, au soutien, au soutien. Ça lui fait pas peur. Ah, ça défend sévère. On quand va même, revenir hein. à la pénalité. Non. Il a été secoué quand même, Cana. Après, il est au four au moulin, ce jeune numéro 9. Vraiment intéressant. De son jeune âge, je pense qu'il s'est bien mis au niveau de la Fédérale 3. C'est de bon augure, hein, ça, pour cette équipe de Sijan, et d'avoir des jeunes joueurs comme ça, talentueux. Allez, allez, il faut essayer de scorer. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Madame l'arbitre, là-bas. On va voir son arbitre de touche. Ah, je pense qu'il y a un blessé aussi. Ouais, Rado. C'est Rado qui sort. Rado qui sort. Côté Avignon-le-Ponté. On va aller chercher la touche logiquement. Il faut scorer. Allez, Berthuel, une bonne touche. Ah, allez, superbe, superbe. Belle pénale touche à venir. Allez, à 5 mètres de la ligne. Un beau lancer pour Da Silva. Ouais. Elle est sortie, Da Silva. On voit qu'on s'est réorganisé à côté Sijan avec Inès, non, avec Pradal, pardon, qui est passé en troisième ligne. Grimal qui est rentré, qui va lancer. Voilà, et Iniesta est passé en 10. Le Pens à l'aile et Berthuel à l'arrière. Ah, c'est dommage, le ballon est perdu. Munition gâchée. Ah, c'est dommage. Ah, numéro 10 Roche, voilà, qui va trouver la touche contre le vent. Une belle touche malgré le vent. Et la rentrée de Vidal. Ouais. Côté Sijano Nouvellois au centre. Hein. Bonne prise en touche. Ouais, on écarte avec Labi. Labi solide, il s'appuie bien sur lui. On écarte encore Roche, le pied, ouais. Tout dans le terrain. Avec le rebond. Ouais, bien plaqué. Touche, il est juste devant nous. Il va être juste devant nous. Ça va venir pour Grimal. Torche raccourcie. Ah, Luc Lucien qui est revenu.
Ouais, belle prise à deux mains, beau lancer de Grimal. Le 9 Kanawa qui vient chercher Sclarmont de même main. Le ballon qui est tombé. Dommage. Il a voulu ça. Il a voulu passer les bras. Et ouais. C'était risqué. La défense vient en place. Un gros raffut là du capitaine sur Gakpo. Ouais. Et oui, un avantage en plus. Reviens en avant. Voilà, donc on partira sur une mêlée pour Avignon Le Ponté. Voilà, introduction numéro 20, Garcia. Qui explique, ouais, c'est un arrêt de jeu. Et là, c'est le capitaine hein, côté Avignon Le Ponté qui reste au sol. Sortie, certainement y avoir la sortie du numéro 4 et le capitaine, on l'a entendu, madame l'arbitre, ce sera le demi d'ouverture. Ouais. Enfin, le numéro 10. Rocha. Oui, il a joué toujours en 10, c'est ça. J'avais peur qu'il soit plus. Ouais, capitaine solide de Avignon Le Ponté qui a fait une grosse partie. Très bonne de la gestion au pied. Ouais. Sur les renvois aussi. Les passes longues. Allongées. Allez, introduction à venir pour Avignon Le Ponté. Il y a un carton qu'on n'a pas vu, Walter, ou pas, j'ai l'impression qu'ils sont à... Non. Ils étaient que 7 à mêlée, non ? Moi, j'ai pas vu de carton. Oh, attention, non, ça va, on a bien repris en poursuite. Hein. Ouais, attention, ça continue quand même là-bas. Ouais, Garcia. Petit coup de pied, attention dans la butte. Ah ouais, Berthuel qui laisse sortir ce ballon. On partira sur un renvoi 22 mètres. Un renvoi 22. Classique. Ah, bien joué. Bien joué. Virtuel qui a bien lu la défense. La défense. Pierre Racco. C'est sûr, la passe était un peu haute. Ouais, Cana, allez. On écarte avec Segovia. Ah, Segovia bien décalé. Attention dans le rock, le ballon. Ah, le ballon est récupéré. Ah, c'est Capot encore. Capot encore. Hop, ouais, ballon. Allez, là, en avant, le ballon récupéré. Il faut le jouer. C'est Grimal qui a réussi à s'en saisir. Donc on est à l'heure de jeu. Ouais, Cana qui dégage. Cana qui a bien dégagé, ouais. Alors de jeu ici au stade Jules Crocherie, Avignon Le Ponté, le leader, mène avec le bonus offensif 6 essais à 2, 41 à 10. Et ouais, score un peu sévère. Ouais, c'est très sévère. Hein. C'est très sévère, mais ils ont été très pragmatiques. Dès qu'ils ont eu une opportunité, voilà, ouais, c'est. Et souvent sur des ballons perdus de si j'en parle la nouvelle, c'est ça qui est dommage. Ou lancé pas droit, oui, bien sûr. C'est Perret qui est passé lanceur. Et je pense que Perret, il est numéro 8 et numéro 2. Hein. Tout à l'heure, il était en première ligne pour la mêlée. Mais là aussi, regarde, il est passé talonneur, je pense. Hein. Ouais.
Mais regarde, j'ai l'impression qu'ils sont qu'à 7. C'est bon, il revient. Ils sont vite, ouais. Ouais. J'ai mal vite tout à l'heure, peut-être. Allez, canard. Allez, on écarte, ouais. Iniesta. Bon, attention, il a des appuis. Il a l'air d'avoir des appuis, ce joueur. Ouais. Ouais, la bille solide. Hein. Ça aussi, c'est un joueur d'expérience qui avance. Oui, on le voit. Hein, qui, surtout qu'on peut jouer derrière lui. Ah, le ballon est arraché. Oh là là, il y a danger. Il y en a un avant. Oula, je pense qu'à la course, c'est Sclermonde. Ah, c'est dommage. Septième essai. C'est dommage. Ce ballon échappé bêtement. Ah. C'est dommage parce que là vraiment le score commence vraiment à être sévère. Ouais. Ça fait beaucoup. Ouais, ça commence à faire vraiment. L'addition commence à être salée. C'est le 7ème essai. Et le score qui commence à être vraiment lourd. 46 à 10. Ah ouais, 46-10. Malheureusement pour cette équipe de Sigean. Il fait toujours aussi chaud par contre. Il fait toujours aussi chaud. Non. Prend son temps le buteur vauclusien. Ah. Ça va être court. Voilà. Ça va pas arriver au poteau. Toujours en reste. Ouais, score lourd. Hein. Bien haut, le renvoie bien haut. Ouais, mais bonne réception. Et bonne voilà. Réception, Avignon le poté, toujours en place. Allez, sa bataille, un ballon récupéré. Allez, Segovia, on écarte de suite Berthuel qui remet intérieur. Ah, bien joué, attention parce que là il y a pas de soutien, pas trop en retard. Là, ballon récupéré encore. Ouais, on le voit, une équipe d'Avignon le Ponté vraiment beaucoup plus efficace que Sigean pour la nouvelle. Ouais. Sur les phases de ruck, il n'y a rien à dire. Hein, au niveau de la conservation du ballon, hein, beaucoup plus d'expérience. Ah, attention, après, ils n'hésitent pas à écarter les ballons. Hein. Ah, non, c'est clair. C'est complet quand même comme équipe. On le voit devant, derrière. Ça va vite, des joueurs d'expérience. Une bonne charrière. Voilà, en avant, c'est cela qu'il aurait fallu jouer, dommage. Mais on le voit quand même, cette équipe de Sigean qui, je pense, a baissé un peu pavillon. Hein. Là, malheureusement, avec tous ces coups pris sur la tête. Hein. Allez, il faudrait essayer de montrer un autre visage sur cette fin de match. Introduction Cana. Allez, est-ce qu'on va essayer d'aller chercher le fermé avec Berthuel et Juanito le pense sur son aile. Allez. Ouais, il a joué avant que madame l'arbitre ait sifflé. Ouais. Ah. Beaucoup de frustration hein, côté Sigean pour la nouvelle. Allez, on va jouer. On est
écarte, ouais, pousser une bonne percussion dans l'avancée. Belle percussion. Allez. Libération rapide. Voilà, petit en avant. Non, elle l'a pas vu. Tant mieux pour Sijan. Allez, on écarte. Loïc Lucien, ouais, qui recule. Ouais, là, ça fait deux passes qui étaient limites. Ouais, ouais. Oui, deux passes limites. Et puis voilà, grosse défense. Après, c'est pas un cadeau derrière. Grosse défense de cette équipe d'Avignon Le Ponté. Là, attention, c'est là où cette équipe de Sijan a pêché cet après-midi. Donc, ouais, intéressant. Virtuel sur le pas. Allez, 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 Juanito, il faut être à hauteur. Ouais, Juanito qui remet. Il a réussi à retrouver. Ah, bien joué. Ouais, c'est joli. Bien joué, il faut marquer, c'est récompensé. Allez, Rénal. Bien joué. Ouais, joli. Ah, un bel essai. Allez, belle, belle combinaison là, des trois quarts. Si j'en ai Nouvellois. On le voit hein, que les capacités sont là, le potentiel est vraiment là. C'est dommage. Pour cette équipe de Sijan pour la nouvelle. Voilà, pour exister face à ces grosses cylindrées. Ah, ils ont quand même fait chuter ici Vendre-l'Espignan et 7. Ouais, tout à fait. Allez, virtuel. Non, ça passera à côté malheureusement. On en reste à 46 à 15. Allez, mais c'est bien cette équipe de Sijan qui relève la tête un peu. Il y a moyen de se faire plaisir côté Sijan pour la nouvelle, allez. Donc il en reste 16. Allez, 16 minutes. Et le renvoi. Ah, dans les bras d'Escarmonde, toujours. Toujours à la pointe du combat. Toujours. Ça commence à s'agacer un petit peu. Ah, ce numéro 8 intéressant, hein, côté. Ah, il s'est fait arracher le ballon. Allez. Bien là, récupéré. Il faut l'écarter. Il faut s'écarter de ces zones de combat où justement Sijan pour la nouvelle a pêché depuis le début du match. Encore Berthuel qui navigue. Ouais, c'est Govia intéressant. Bon arrivé, ouais. Voilà, mais qui fait vivre le ballon. Voilà. Poussine qui avance. Ah, qui fait un match. Une rentrée intéressante aussi, Poussine. Hein. Allez, Cana, ouais, on joue dans le dos pour Berthuel toujours. Encore et toujours. Ah, on joue ouais, toujours un passe derrière. Après contact. Ah, dommage. C'est dommage. Dommage, ouais. Monsieur Virtuel, Berthuel, quel virtuose. Toujours dans l'avancée, à faire jouer, à mettre ses coéquipiers dans de bonnes conditions. Et quand il est pris, il essaie toujours de relever le ballon. Ouais, c'est un joueur vraiment, vraiment intéressant, hein, côté Sijan pour la nouvelle. On va repartir sur une mêlée. Côté Avignonnais contre 3. Côté Sijan. Pour Sijan pour la nouvelle. Mais il est bien stable. Attention le ballon. Il n'est pas sorti encore. Ah, il est sorti, ouais. Garcia qui écarte directement pour la bille. Ouais, ah, là, il a pris le trou. Ah, intéressant ce joueur aussi. Hein. Il est plaqué. Attention le ballon. Tombé. Il est bien repris par Roche. Ah, ça joue encore. Un grand coup de pied. Virtuel bien placé, alors que monsieur l'arbitre de touche qui appelle mademoiselle Caille. Simple pénalité, poussé, qui pousse le 5. Donc voilà, une faute, si c'est difficile pas parce que touche, Thomas Hussein. Madame l'arbitre, elle parle
faible. Si je monte sur le micro, j'entends tous les gars à côté qui crient. qui encourage ses équipiers, c'est ça. Il faut 10 minutes s'envoyer. Attends, le ballon, il a pas le ballon dans les mains. Sautez pas encore. Grima à l'eau lancé. Il est complet. On va sauter devant sur Pierre Acco. Ballon contré. Ballon volé. Ouais. Drapeau tendu côté arbitre de touche. Ouais, je pense qu'il y a eu un déblayage. Peut-être limite, ouais. Côté Cisano Nouvellois. C'est le ballon. Allez, Segovia, ouais. Segovia, ballon, il a pas eu peur. Super ça. Le drapeau est toujours tendu. Hein. Dans tous les cas, il y aura quelque chose. Ouais. Et vu que madame l'arbitre arrête, je pense que ça sera plutôt en faveur d'Avignon Le Ponté. Oui, je pense aussi. Alors attends, je vais essayer de monter le micro juste pour entendre un peu mieux. 16 blancs. 16 blancs. Le bras autour du cou. Bras. 16 blancs, bras autour du cou. Sur le 8. Davignon Le Ponté. Et donc on va convoquer Esclarmonde. Carton jaune. Alors qu'on voit que Pierre Esclarmonde essaye de défendre son coéquipier. Ouais. C'est un succès. Ce qui est de bonne guerre. Ce sera donc une pénalité. Exactement, Fred, il a dit le 16 blanc au cou par derrière. Au cou par derrière. Et tu pourras entendre non. Allez, touche à venir pour cette équipe d'Avignon Le Ponté. Il reste 5 minutes à jouer. Et si Jeannot Nouvellois donc, vont donc terminer en infériorité numérique. Lancé à venir pour Perret. Elle avait sifflé ou pas? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qui... J'ai pas entendu si elle avait sifflé sur la touche. Un peu de confusion, je ne sais pas. Ah. Ça aurait été bien d'avoir les explications, Bubu, là, parce que... Je crois qu'elle a dit, il a pas aplati. Hein ? Oui, mais je me suis trompé, je sais. C'est trompé, elle a dit. Pardon, pourquoi j'ai dit Thomas ? Parce qu'il y a son frère. Ah, il me semble unique, ça. Et bien sûr qu'il y a deux frères, Suké. Qu'on le conseille. Pour le dos, pour Bertrand. Avantage. Allez, Loïc Lucien, il faut faire péter la puissance un peu. Ouais. Gakpo, voilà, passe sur Pacana, si on pouvait écarter. Ouais, Mathieu Suké, bonne percussion. Passe, mais le ballon n'est pas perdu, c'est derrière. Allez, oh, dommage. Cette fois, oui. Dommage. Mais on reviendra certainement. Un avantage. Allez, on va jouer. Prise de balle. Ouais, intéressant. Bien défendu. Bien défendu. Allez, Cana. On écarte. Allez, le ballon est bien libéré. Rapidement. Ouais, il ne passe vraiment. Oh, ouais. Dommage. Petit en avant.
un avantage en cours, il n'y avait pas en avant. Allez. Après je le souhaite dans les yeux. Alors petite passe au pied, intéressante. C'est Govia. Ah dommage, bien défendu. Hein. Mais je pense qu'on reviendra, voilà, on reviendra à l'avantage. La allez vite, il faut récupérer le ballon, il faut récupérer le ballon, il faut jouer. Eh oui, non, c'est sûr que le joueur d'Avignon, le poté, n'ira pas le chercher le ballon. C'est certain. Allez, on est rentré dans les arrêts de jeu. Il ne veut pas aller en touche. Ah, il joue à la main. Allez, un petit sursaut d'orgueil pour cette fin de match. Ah, le conteste. Il n'y a personne. Non, bien, bien, heureusement. Bien relevé. Ouais, Gakpo solide. Hein. Ouais, il a avancé. Ah. 2 mètres de la ligne. Ouais, il serait peut-être judicieux d'écarter un petit peu de part, trop rester dans cette zone de combat. Ouais, le contre-ruck, attention. Eh oui, on le sait hein, depuis le début du match. L'avantage en cours. Là, c'est joué vite, c'est joué vite. Kana, tout seul au pied des poteaux. Ah, est-ce qu'il a... Non, aplati. Ah, c'est Gakpo. Allez, Gakpo. Ah non, bien défendu. C'est parce qu'il y a un quoi, ah, il y a un quoi joué sur le côté gauche, on le voit, regardez. Allez, le line de touche. Le pince, il est tout seul là-bas au fond. Ouais, des deux côtés. Hein. Cette fois, ça écarte, mais c'est trop haut. Ah, mais on reviendra encore une fois. Ah oui, non. Remplacement. Comment? Non, on va garder. C'est bon? Voilà pour finir cette dernière action. C'est Grimal, touche à 5. Ah, dommage. Testé. Bon, je pense que là, ils vont. Pas s'embêter. Eh non, voilà, on joue encore. Bon jeu au pied. On joue encore. Ah, Yannick Le Pansa. Magnifique. Magnifique réception. Offensive. Allez, Loïc Lucien. Qui s'est bien remis. Allez Kana, on peut être un poids à jouer sur les extérieurs. Allez bonne virtuelle. Allez, il faut faire péter les Kana. Ah c'est dommage, c'est Segovia. Dommage. Joanne Segovia, attention, les crochets. Allez là, bien joué. Ouais. T'as bien la corne là, mais attention le contre-ruck. Ouais mais voilà. Encore un avantage en cours. On va écarter, ouais, clairement de... Allez, même, allez, bon, non, pour la nouvelle, cette équipe de Avignon-le-Ponté qui aura concrétisé tout fait hein, entre une équipe aguerrie, voilà, et leader de sa poule, et voilà, une équipe qui est un peu novice encore à ce niveau, donc voilà, mais franchement, je pense qu'il y a de... On a vu de belles choses. Voilà, il y a de gros espoirs à fonder hein, pour cette équipe de Sujan pour la nouvelle, avec de jeunes joueurs vraiment intéressants, et voilà, moi je pense qu'ils vont vivre une fin de saison intéressante et on leur souhaite de se qualifier voilà pour cette fin de saison en phase finale. Allez ben écoute, on se retrouvera mardi pour en débriefer en studio. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, si tu veux on t'a studio. Et à bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Ciao. Le groupe Angelotti, partenaire de tous les rugby, vous souhaite un bon We'll be right back.